Tu détestes ma fille pour rien. Tu bavardes dans mes oreilles. Je ne peux pas être tranquille. Tu m'attires sur l'AVC. Tu m'attires sur l'hypertension. Tu m'attires sur la piste ivoirienne. Tu m'attires sur les pertes blanches. Tu m'attires que les maladies m'attrapent de meurtre. On te fait quelques shooting au marché. Tu prends quelques vêtements. J'arrive. D'accord, tu fais quoi? Je pars au marché, je prends les shootings pour l'enfance. Les shootings, c'est quoi? On l'achète quelques habits. Regarde ce qu'elle est venue avec. Tu veux l'acheter quelques habits comme ça, mais j'accorde pas les habits. J'accorde pas les habits. Donc, à peine, elle n'a même pas encore fait une semaine. Il faut qu'elle prenne d'argent dessus sur mon enfant. Bien. Attends-moi dans la chambre. Ok, ici. Reviens. Mais parle doucement. Ne fais plus jamais ça devant moi. C'est que tu fais avec ton père là. Quand je suis là, ne fais plus jamais ça. Tu as compris? Fils, sors ça maintenant. Ah, quand on la bronze comme ça, elle a l'asthme. Ah, elle est allée au diable avec ça. Merde. Mais c'est pas possible. Est-ce que tu sais que c'est mon enfant? Ça fait quoi? Caprice, est-ce que tu sais que tu me souilles à tous les coups? Donc, apprends à me respecter. Ma... Je t'ai dit que c'est quoi tu faisais à ta mère dans la maison aussi. Ne me pèse pas sur une balance. Sinon tu ne sauras pas mon poids et ma balle. Tu as compris? Voilà. Vous êtes parti chercher les enfants en bâtard à venir m'imposer. Quand tu regardes ma fille, elle te ressemble. Elle te ressemble. C'est mon nom qui est sur l'acte. J'ai vu. C'est ton nom qui est sur l'acte. On a fait ce qu'on a mis ton nom. Tu as reconnu l'enfant à quel moment? Comme tu es bête. Non, tu n'es pas ici. Les hommes ne sont pas romantiques, mais ils sont intelligents. Tu n'es pas ici. Tu as couché jusqu'à mettre ton nom sur l'acte. Adieu, wa. Ne me touche pas. Quoi? Donc, tu vas déclarer la guerre. Depuis que cette fille est arrivée ici, toi et moi, c'est la guerre comme la guerre. Voilà. As-tu pas fait le shooting, hein? Si. L'argent que je cherche, c'est la prison. J'ai mal fait de t'épouser. L'argent que tu cherches, c'est pour faire le sac, hein? Tu n'as pas encore mis mes enfants à l'aise. Tu peux aller appeler le secours. Que venez, vous mettez à l'aise. Tu as mis Jacob à l'aise. J'ai mal fait du tout. Tu as dit cela, il faut que Jacob devait aller au Canada. Même le passeport. Tu dis le passeport, tu as déjà fait. Tu faisais ça pour faire quoi? Pour le galvaniser. Donc, bon, je vous ai dit que vous allez sauter sur mon cadavre. Jacob. Quoi? Viens. Merde. Tu es bon une fois, tu es bon deux fois, tu viens le bonbon, on te suce. Le nom de ta sœur là, c'est qui là? Janine, ton nom c'est quoi là? Viens. Appelle-moi Geneviève. Geneviève. Je ne suis pas dans votre réunion familiale. Non, c'est pas la réunion. Je ne suis pas dans la réunion. C'est pas la réunion. Attends. Quand vous avez fini le séjour, vous m'appelez. Je ne suis pas dans ça. Attends-toi. Je ne suis pas la fête de famille. Si l'enfant c'est là, je ne me place pas là. Je dis comme ça. Si elle est là, quand on parle de fête de famille ici, je ne me place pas là. Ne me touche pas. Prends ton téléphone. C'est pas possible. Tu me prends même pour qui? Tu me prends même pour qui? Tu me mets devant les faits accomplis. Je t'ai dit que jusqu'à demain matin, cette enfant, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Donc tu es en blague, tu vas l'exterminer. Je ne suis pas une criminelle. Tu as compris? Je ne suis pas une criminelle. Mais ce qui est sûr, elle partira seule. Si elle est suffisamment armée. À chacun son douche, le coiffeur. Et toi, tu es tout le monde sage, défie-toi. Placez-vous ici par ordre d'arrivée. Wama Niam, tu mets déjà la poudre des femmes. Tu mets la poudre des femmes. Bah, c'est elle qui a mis ça sur moi. Ah, femme pas dans ta tête, je peux te toucher. Je peux te toucher. Tu es d'accord qui pas sur moi. Je suis pas ton égal. Je suis pas ton égal. Tu ne t'as pas sur mon père. Tu as compris, non? Je suis pas ton égal. Je ne peux plus partir. Prends ton acte, je te fais le passeport. Ouais, papa, partez. Partez. Papa, partez. Partez. Merci beaucoup. Moi. Non. Prends ton acte, je te fais le passeport. Restez le vous bagarrer.
Papa, je t'inscris au caractère toi ou tu dois. Papa, vous choquez. Papa, papa, regarde. Vois-moi les chi, le bois d'aboudou. Papa, 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 pardon. C'est pour ça que je suis ta première fille, chérie, non. Tu n'es pas ici. Oui, papa. Ta tête là, c'est l'eau, tu comprends. C'est l'eau, l'eau sale. L'eau sale que tu rêves, tu te dis même pas. Dans l'oreille, le matin, c'est la vérité. On va te parler comment? Je t'appelle, tu sais qu'il t'appelait, pourquoi? Parce que lui qui a commencé. C'est lui qui a commencé devant toi, tu as vu, non? Je te donnais 10 000 hier de me faire le repas. Tu as fait le riz sans sauce, tu étais où hier soir? Elle a arraché l'argent. Ma capitale a arraché le reste d'argent en roule. Il a fallu que tu viennes là. Tu as évoqué le bon sujet. Tu as donné la ration, elle fait quoi? Je prépare. Moi, je suis dans la maison. Tu donnes la ration à ton enfant de parler. Quand on te donne, tu fais quoi? Je fais ce que je fais, ce que tu as l'habitude de manger. Je lui ai dit hier, c'est la dernière fois qu'elle fait d'accord à ma mère au fessier. Je ne suis pas sa co-épouse. Je lui ai dit hier, ne le plus jamais allumer le feu et signer de mettre à ma mère au feu. Quand tu parles, ne me dois pas. Je ne suis pas sa co-épouse. Ne me dois donc je pas. Je te dois si je veux. Je te dois si je veux. C'est mon argent que j'ai cherché. Prendre une femme sauvage. Merci. Coude. Merci. C'est parce que tu cherchais les mangeuses d'argent que tu m'as cherché. C'est parce que tu cherchais les mangeuses d'argent. Tu avais une villageoise dans ta maison qui ne connaissait pas la valeur de l'argent. Tu m'as appelé de venir valoriser ton argent. Ta bouche m'a donné une troisième femme à compter de maintenant. Je pose une troisième. Et on va faire la lune d'un demi-heure à Dubaï. Papa, s'il te plaît, papa. Moi, je pars à Dubaï. Je fais la lune de demi-heure un mois. Je lui fais. Oui, papa, tu m'accompagnes. On va faire la lune de miel là-bas. Non, reste tu vas à la maison. Tu sais, on a construit la maison si en un an. Mais on va la détruire en 30 secondes. Détruire. Soyez la bienvenue. Tu prends la madame, ton épouse et toi. Soyez la bienvenue. Vous allez me trouver pas assise. Debout. Tu as vu sa main, non? Que quoi? Tu as vu sa main. Vous faites les légères pour moi. C'est. Donne-moi les légères. C'est mon jomba. Ça me fait quoi donc? C'est mon phosphore. Donc moi ça me fait quoi? Tu n'es rien. Il n'y a pas de souci. Tu n'es rien. Merci. On est nul. Merci beaucoup. On tu as épousé une femme qui est nulle. Tu m'as coûté pendant 3 ans dehors. Après tu m'as mis chez toi. Dieu a accumulé ta taille, ton poids. Il a mis dans ta bouche. Non mon. Papa. Dieu m'a refusé la taille. Mais il a bourré mon cerveau. Avec les bruits. Je t'ai dit que Dieu a pas refusé la taille. Mais mon cerveau est plein. Tu as compris? Je suis physiquement petite de taille, mais moralement je suis pleine. Tu sauves. Tu parles à qui? Tu parles à qui? Moi, tu sauves la. Tu sauras que c'est même pas ta co-épouse. Même quand tu prenais, quand tu m'amènes ici, tu as toujours dit la même chose à l'autre. Mais elle, elle a fui au champ de guerre. Moi, je suis là, tu as la garde. Je suis armée. Je suis armée. Ah! Je t'ai dit qu'elle est normale. Laisse. J'étais seulement dit. Le jour où tu me racontes, la mamie comme ceci, je vais te faire foutre. Je pars à Dubaï. Je pars à Dubaï. Ah. Je pars à Dubaï. Pas à Dubaï. Je vais partir à Dubaï. Eh, tu as été fait le fouiller. Jennifer! Jenny! C'est quoi crier ma bouche conjointe dans la maison, je suis comme ça? Mais Jennifer, je ne suis pas là pour les problèmes présentement, cela. Et cela m'a peut-être bousse le mal. Assez que je vous arrête, s'il te plaît. Bien. Attends un peu. Tu ne veux pas que papa change depuis un moment de temps? Tu es derrière, tu n'as pas une vision spirituelle ou quoi? Tu ne veux pas que papa accorde plus d'attention à cette nouvelle fille? Moune chose, mini-mini, chouti, mini-mini, sorti, balade et peu et tout. Attends, petit effet. Tu ne te rends pas compte que tu passes en danger. Donc tu m'appelles, tu cries mon nom pour ça. Tu ne vois pas moi le problème. Oh. Tu ne vois aucun problème, au contraire. J'ai l'impression que la nouvelle a beaucoup, changé beaucoup de choses. C'est de la même façon que vous êtes arrivé ici. Si ça changeait peut-être sur ton côté, moi là, je suis clean. Question d'habitude. Jennifer, il faut qu'on trouve une solution à ce problème. Parce que la jalousie me ronge à le cœur. Je ne peux plus supporter cette jalousie. Attends, mais
Il dit, Jacob, tout va bien dans ton cerveau là. Tu, malgré tes 6 ans pour avoir un bac, et que finalement, Dieu même t'a donné par cadeau là, tu n'arrives pas toujours à réfléchir. Quand tu m'appelles, toi, tu connais que je suis ta grande sœur. C'est aujourd'hui que tu connais que j'existe dans cette maison. Qui sera encore ta ménagère? Ah, tu me rappelles, je veux que tu sois ma ménagère, tu laves mon sol. Aujourd'hui, tu m'appelles qu'on fasse quoi? C'est ta vie qui est en danger. La mienne est correcte, sans souci. Et d'ailleurs même, dans quelques jours, j'y serai à Dubaï. Dubaï! C'est ta mère et le reste des épouses de papa qui a géré cette maison. Ok? Et c'est la dernière fois que tu m'appelles encore pour les conneries, les choses inutiles. J'ai ça avec ta mère. C'est mieux ici. Donc moi j'ai la peine d'appeler quelqu'un avec un bon cœur. J'appelle quelqu'un posément, avec un respect total. Et ose même me présenter encore. Quand je serai insolent, on veut que Jacob soit insolent. Mais tu vas être doux, on veut t'amener la brutalité. Mais moi c'est Jacob, on ne me gagne jamais. Cette fille-là, elle va dire le. Je pense que ma soeur sera là la semaine prochaine. Je pense qu'avec elle, notre équipe peut bien manger. Cette fille, bienvenue dans cette maison. Tu vas vivre Jacob. Ça va, grande sœur. Et toi? Arrêtez, elle a dit que tu m'appelles plus grande sœur. Appelle-moi Jenny. Oh! D'accord, Jenny. Ok. Ah. Sinon, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te régaler, Jenny. Ça m'a bien juste. S'il te plaît, s'il te plaît, dépose. Si je suis sortie, il faut vraiment que je te parle. Je t'écoute. Tu vois la maison, Simon? Et c'est que ça fait deux ou une semaine que tu es entrée dans la maison aussi. Mmh. Tu as quand même un peu vu les petits débuts. Sache que c'est rien que le minimum de ce qui se passe dans la maison aussi. Oui. Il y a des. Donc, comme on dit, les toiles cachent les maisons dans la maison, les choses dans la maison. Là. C'est comme ça que ça se passe ici. Fais très très attention à la maman qui est celle qu'on appelle. Caprice. Et qui? Attends, tu l'as vu passer ici là? Oui, oui, elle vient de passer. Ah oui, c'est qu'elle allait chez sa copine. Fais très attention. Et dis très très attention. Cette femme que tu vois là, elle va t'amener déjà. Mais c'est pour mieux te prendre comme ça et te ronger. Elle me faisait ça avant même. J'étais sa chute. Dès que mon père, ma mère est partie là, elle m'a monté son voyage. Son fils, qu'on appelle Jacob. Tu connais Ding Jacob que j'ai dit là. Il ne m'aime même pas. Qui t'a dit ça? Il ne t'a pas encore prouvé l'amour qu'il n'a pas pour toi. Il ne t'a pas encore prouvé l'amour qu'il n'a pas pour toi. Ce gars, c'est un phénomène. Mais, donc, comme il dit, si tu vois le serpent avec lui, tue-le d'abord avant de tuer le serpent. Tue-le d'abord avant de tuer le serpent. C'est un serpent à deux têtes. Il a 10 venins. Il y a 10 venins fois 100. Donc, comme tu es dans cette maison-là, et sans te mentir, je ne suis pas la seule fille à ma mère. J'ai l'autre ma soeur, mais elle est constamment en train de voyager, tout ce business. Il y a Jacob. Il y a sa soeur qui est à l'internat. Oh! Telle mère, comment on dit telle mère, telle fille? Elle, non. Elle a pris la doublure de sa mère, mélangée. Dans le mauvais comportement des gens qui passent en route, fois 4. Elle est une voleuse internationale, une menteuse internationale, une je sais quoi, une prostituée internationale. Donc tout ce qui est négatif sur cette terre, c'est elle. Elle vole de temps en temps. Elle a déjà même volé 3 millions ici. Sans compter les 500 000 qu'elle vole souvent. On ne parle pas. Et papa laisse. Tu veux qu'il fasse quoi? Tente d'ouvrir ta bouche. Le jour qu'on parle de ça, ouvre ta bouche, tu vas voir ce que sa mère va te faire. Depuis que je te parle, on dirait que tu ne comprends pas ce que je t'ai dit. Je te préviens juste.
Une fois que demain tu dis qu'on t'avait pas averti, la seule personne à qui tu peux avoir un peu, donc si tu as même besoin de n'importe quoi, viens me demander. Parce que je suis l'aîné et je connais comment tout le monde se comporte ici. Sois sage. Sois sage. Merci beaucoup. Tu sais que je t'aime depuis là, tu es un peu. Tu as l'air d'une vie très posée. Tu as un peu le comportement de mon père, donc c'est pour cela que. Je ne savais pas que papa avait beaucoup d'enfants. Ah! Même nous, on ne savait pas que tu existais. Mais maintenant que tu es là, tu vas te calmer. C'est tout ce que j'avais à te dire. Merci beaucoup. J'ai des courses à faire. Je remets ma chaise et puis. À tout à l'heure. D'accord. Oh. Que les enfants là m'apprennent comment on pilote la machine sienne. Bon, on doit informatiser tout. Informatiser tout. Moi, tu sais que je vais écrire ça comment? Cette carton. Et je suis prête. Hein? Je suis prête. Tu vas. Je ne sais pas, on t'a dit que le jour où je partais, on dit qu'elle devait aller faire les courses, non. J'ai regardé là où tu as l'habitude de mettre l'argent, j'ai rien trouvé là-bas. Tu ne grondes plus. Oui. Est-ce qu'on gronde chaque fois? Est-ce que c'est à chaque fois que tout le monde va se tirailler? Donc quand on gronde, il n'y a pas au moment de répit. Parce que tu veux l'argent, moi. Parce que je veux l'argent. Parce que tu sais que c'est ta responsabilité de me donner l'argent pour faire les courses de la maison. Ce n'est pas question que je veux. Ce n'est pas ma garde-robe que je ne vais pas changer. Ce n'est pas ma pelure que je ne vais pas changer. C'est pour les courses de la maison que je demande l'argent. Laisse les courses de la maison, ne fais pas. Vous faites comment? Tu ne fais pas à manger ici. Tu ne fais rien. Je ne peux pas manger. Moi, je ne peux pas manger. Viens manger quel repas normal depuis que l'autre est parti. Chérie, pour toi, le repas normal, c'est quoi? Le foufou, pas... le taro, le ndolé, le héros, le coquille, la banane malassée. C'est ça. Le loco, va les bras, les mains. Voilà six exemples. Les pâtes, je fais quoi avec? Je fais quoi avec les pains pauvres? Je fais quoi avec? Jusqu'à tu me dis que tu m'imposes un régime. Mon corps, si ça, ça, tu vois ça, ça peut. Mais c'est pour ta santé. Quoi? C'est pas parce que je sais pas cuisiner ça. Mais c'est pour ta santé. Tu m'as dit ça à maintes reprises que tes ongles, tu ne peux pas entrer en cuisine avec moi. Je disais ça juste pour te déranger. Oui. C'est pour ta santé. Toi-même, tu sais que c'est à cause de ta santé que j'essaie de te soumettre sous régime. Une ouais. Femme qui boit déjà son mari comme ça là. C'est le bras de fer. Tu fais le bras de fer. Je ne vais pas blaguer avec toi. Non, c'est pas ça. Ce que je fais souvent là, ce sont les blagues. Non. Ce sont les blagues. Tu veux la blague. Non. Regarde. Prends même les pinces. Même le bon François, si tu fraudes, l'argent ne sort pas aujourd'hui. Je ne te donne pas 5 francs. Tu es sérieux, non? Non, très sérieux. Je ne te donne pas 5 francs. Tu me donnes pas 5 francs comment? Qu'est-ce que je vais faire comment? Caprice, je t'ai dit, tu es un homme. Dieu t'a tout donné pour être un homme. Cherche aussi ta part d'argent. Tu détestes ma fille pour rien. Tu bavardes dans mes oreilles. Je ne peux pas être tranquille. Tu m'attires sur l'AVC. Tu m'attires sur l'hypertension. Tu m'attires sur la piste ivoirienne. Tu m'attires sur la perte blanche. Tu m'attires que les maladies m'attrapent de meurtre. Moi, je suis plus. Moi, Jésus a réglé mon cerveau. Si c'est à cause de la fille là, que tu veux me couper tous les vivres. Si c'est à cause de la fille là que tu veux fermer le robinet, c'est une autre guerre que tu as déclenchée. Je suis sûre que moi. Bon, tu me fais encore les mariages. Je suis sûre que moi, Caprice. Tu me fais encore les mariages. J'ai l'arme, j'ai les balles, tu as l'arme. Je suis sûre que moi, Caprice, j'ai les balles. Donc l'arme que tu as, c'est moi qui garde les balles de ça. Bon, tu viens encore de me déclencher l'autre. Prends ça comme les menaces. Prends ça comme une guerre. Enfin. Il n'y a pas de souci. Non, un peu sain. Il n'y a pas de souci. Donc moi, viens de nuit. Comme. Donc moi, t'es ici. J'ai tapé. Moi, non. J'ai tapé. Je dis, tu vas. Je vais te hanter. Oui. Tu vas me hanter, moi. Tu n'as pas su. Mais tu ne vas pas hanter mon argent. Il n'y a pas de souci. Moi, je cherche. C'est parce que je veux vous ne pas prendre. Quand vous êtes là, ce n'est pas en sécurité. Va prendre. Là où c'est là, ce n'est pas en sécurité. Va prendre. Tu prends. Là, c'est tes propres mains et te va prendre. Tu n'as pas su. Je ne suis pas su. Merde, tu veux m'imposer. J'ai dit que jusqu'à demain matin, cette fille-là ne sera jamais considérée dans la maison si. Tu as compris? Je ne bavarderai plus jamais. Viens comme j'ai ton cycle. Que j'ai appuyé la gagne de ton. Que j'ai appuyé ton interdit pour que tu bavardes plus. J'ai ton cycle. Je connais où te toucher pour que tu bavardes. J'ai ton cycle. Tu as compris?
Regarde-moi ça. On ferme le robinet, tu deviens folle. Folle de quoi? Folle de quoi? Tu deviens folle de quoi? Tu es Ouadaboudou, non? Va voir les fesses. Les fesses. Et tous les jours, tu es sur ça. Qui? Tu m'as tous les jours, tu es sur ça. Ouvre ça même ici, je sens pas con. Danse encore tes sélectives que tu danses sur la salle, fais pas con. J'étais prévenu. J'ai dit que Mbaba n'est plus mort. J'étais prévenu dans mon. Et corps. Zanga. Ton secret, c'est la douceur. Mbaba n'est plus.